Bonjour à tous, je suis Lily West et aujourd'hui on va apprendre une chorégraphie de Marie Sorensen qui s'appelle Living on a Jet Plane sur une musique qui porte le même nom de Richie Ramo qui est en fait une reprise de John Denver. Une danse qui fait 32 temps avec deux restarts modifiés mais qui est assez simple quand même. On va voir ça ensemble. Première section, on commence. Talon, hook, talon et un flick, c'est-à-dire un petit coup de pied en arrière avec la cheville tendue. On fait ça, ça nous donne talon, hook, talon, flick. Triple step en avant droit, droite, gauche, droite. La même chose de l'autre côté, talon, hook, talon, flick et triple step. Ça nous fait notre première section. Si on compte tranquillement, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Section suivante, on continue. Un point en avant pied droit, des swivels, donc on a le poids du corps sur la plante des pieds. Et on pivote les talons à droite et on revient au centre. Un coaster step, donc on a le poids du corps sur le pied gauche et on fait droite, gauche, droite. On refait ça, juste ces quatre temps, ça nous donne un pas, swivel, on revient et coaster step. Presque la même chose de l'autre côté, un pas en avant pied gauche, swivel à gauche, on revient au centre. Mais là on va faire un second step avec un quart de tour à gauche. Donc on croise le pied gauche derrière le pied droit, on commence notre quart de tour. Un pas à droite, on continue notre quart de tour et on remet le poids sur le pied gauche et on a fini notre quart de tour. Donc ce sailor step quart de tour, ça nous donne sailor step. Si on fait notre section en entier, ça nous donne step swivel, coaster step et step swivel et sailor step. Avec les comptes 7 et 8 et 1 et 2, 3 et 4. 5 et 6, 7 et 8. Les deux sections. 7 et 8. Et talon, hook, talon, flick, triple step. Talon, hook, talon, flick, triple step. Step swivel, coaster step. Et step swivel, et sailor. 4. On a le pas de cœur sur le pied gauche. On fait un rock step croisé, pied droit dans le pied gauche. Donc rock, step et un petit pas à droite. Même chose de l'autre côté, rock step, croisé pied gauche devant le pied droit, on revient sur le pied droit et pied gauche à gauche. Et ça, on va le compter 1 et 2, 3 et 4. Sur 5 et 6, on fait un cross triple à gauche, on peut mettre le pied droit, on croise, on décroise, on recroise. Et pour terminer, sur 7 et 8, rock step à gauche, on revient sur le pied droit et on croise le pied gauche devant le pied droit. Donc side rock cross. Alors si on refait notre section. Poids du corps pied gauche et on commence rock step croisé, pied droit devant pied gauche. 7 et 8 et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Encore une petite fois. 7 et 8 et cross rock side, cross rock side, cross triple, side rock cross. Du début, ces trois premières sections. 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. On a le poids du corps sur le pied gauche. Section suivante, on commence avec un long tour et un quart de tour à droite, point de droite à droite. Quart de tour, on ramène le pied droit côté pied gauche, point de gauche à gauche, et on ramène. Encore une fois la même chose, point de droite à droite, quart de tour, on ramène le pied droit côté pied gauche, point de gauche à gauche, et on ramène. Attention, ça tient un peu rapide puisqu'on va le faire sur 1 et 2 et 3 et 4 et. Et sur 5 et 6, 7 et 8, on fait deux mambo en avant, donc d'abord pied droit, rock, step, et on ramène le pied droit côté pied gauche, rock, step, et on ramène le pied gauche à côté de pied droit. On refait cette dernière section. On a fini en croisant pied gauche devant pied droit et on fait nos montées return. 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4 et mambo step, mambo step. La danse est terminée, on a le poids du corps sur le pied gauche et on peut reprendre talon, hook, talon, clic. On refait notre premier mouvement entier. 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5
et 6, 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, 7 et 8, et on peut reprendre du début. On y va pour les deuxième, troisième et quatrième murs. 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, c'est la 4, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1 et 2 et 3 et 4 et mambo step, 7 et 8, c'est parti, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, cross rock side, 3 et 4, 5 et 6, 7 et monterai, 1 et 2 et 3 et 4 et mambo step, 7 et dernier mur, talon, hook, talon, flick, triple step, talon, hook, talon, flick, triple step, step, swivel et coaster step, step, swivel et cedar calf, cross rock side, cross rock side, cross triple et side rock cross, monterez et mambo step, et on est parti. Maintenant, les restarts modifiés. En fait, ils se trouvent au bout de 16 temps. Au lieu de faire le sailor step quart de tour, on va le remplacer par un coaster step, tout simplement. Et là, on reprend notre mur. Ça veut dire qu'on ne change pas de mur pour faire le restart. C'est bien pratique. 16 temps pour le restart. Ça nous donne 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Encore une section. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6. Et attention, au lieu de faire le sailor step quart de tour, on fait donc juste un coaster step, sans tourner, et comme ça on reprend exactement le même mur. Et restart, talon hook, talon flick. On le fait ensemble. 7 et 8, et 1 et 2, et 3 et 4, 5 et 6, et 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, attention, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et c'est terminé. On l'a fait vers midi parce que c'est plus simple pour l'enseignement, mais le premier sera vers 6h, donc attention, dos à votre écran, et le deuxième sera effectivement vers midi. Il n'y en a que deux, et après vous êtes tranquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 3 et 4.
Yes, you.